La machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée. Mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Padawan, c'est Inferno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty War Wars 2 pour commencer la campagne. Donc écoutez, c'est parti. Je tiens à dire que moi, je l'avais déjà fait. Donc voilà. Hein. Et bah écoutez, c'est parti. 6 juin 1944, jour J, on envahit la Normandie, prêt à reprendre la France des mains des nazis. Go. Oui, deuxième classe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok. Si, c'est bon. Paul, c'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre et moi, je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussmann la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Stiles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent, sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran, mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Catherine. Zussmann, 3 fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussmann. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant.
On se fait plumer. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh, briefing à 18h, on est en retard. Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les Boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Sussman. En marche. Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir que t'attendes qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous enterrez pas sur la plage, vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Ok. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Ok. Je suis fier d'aller au combat avec vous. En toutes circonstances et partout. Allez, ça va être tempête, les gars! Les plages ont bien été pilonnées, hein? Tu as peur, soldat? Non, monsieur. Tu devrais. Daniel, tu peux? Bien sûr. Ah, il fume à la guerre. Baissez-vous tous! Pour le bien, je ne sais pas. Non, la mission avant tout, c'est nous débarquer. On a dû dériver. Où on va les refaire? Entre tout le temps, en avant. Oh là là. Oh. Bon bah, je vais me baisser. Accrochez-vous. Découvert! C'était un ordre, mon de Dieu! La rampe! Oh!
démons! Emporte cette banque alors jusqu'à la digue! Il faut qu'on atteigne ces bunkers! Daniel! Souviens-toi de ton entraînement! Ramasse-moi ce pétard! Oui, chef. Allez, on y va, chef. Tu peux le faire! Oui, chef! Oh mon dieu! Ah bah oui, c'est la guerre. Go. 26 mètres. Est-ce que je peux l'avoir? Pas sûr. Je vais te couvrir! Dès que ça pète, on fonce vers les bunkers! Ok. On y est presque! Tire! Ça va exploser! Allez! Préparez! Ah! À l'attaque! On y va! Ne tuerai pas mes alliés. Sale blessure. Tiens, utilise ça. Merci l'ami. Ok, c'est parti. Grenade. Hey, go. Tiens, haltez. Reste couché. Signale la zone de l'artillerie. Oh. Lui, il a une Thompson, il a trop de la chance. Daniel, j'ai besoin que Sussman et toi ouvriez la voie et nettoyez ces bunkers, allez! Oui, chef! Les balles sont retranchées! Daniel! Arrête, je viens de me... Arrête.
gaffe à ça. Tu vas bien? Il faut qu'on atteigne ces bunkers! Donne-moi ta Thompson, toi. Vite, on verra. Grenade, envoyez. Je tiens à dire que c'est pas moi qui ai balancé cette balle. Balance-la. Petit pistolet, sérieux? Bon bah il est un peu meilleur. Fils de pute. Ce bunker est nettoyé, on continue. C'est bon, on a fait le vide, on y va. La prochaine vague d'assaut ne passera pas. Richard. Avec les femmes et moi, c'est une grande histoire d'amour. Oui, j'ai gâché des balles pour rien, mais bon. Ils sont tous morts. Les flammes de l'enfer. Attention! Ils arrivent! Bah, ils arrivent par où là? J'ai besoin d'aide! Là, de là! Contact, Saïmour! Je veux me rendre. Je me rends, d'accord. Yo! Fils de pute! Abîme invisible! Dernier, je me le dis. Attends. Infanterie ennemie! Bah, regarde. De l'aide! Lancez de fusil! Bah oui, je suis bête. Zut. Désolé, mon gars. Attends, je vais l'aider. Ça va? Merde, j'ai buté. Oh no! Fuck!
Allez, mais viens là, toi. On y va, on y va. Remuez-vous. Non, c'est bon, ils sont tous. Ah ouais, par contre... J'ai besoin d'aide. Hello, avec moi. Voilà pour toi. Daniel, toi et Sisman, nettoyez le dernier bunker. Ralliement en haut de la falaise. Ok. Allez, allez, go. Encore un. On va y arriver. J'avance. Allons-y. Ennemis en mouvement, trois devant. Grenade, je renseigne. Il est mort. Bon travail. Allons en vive à l'ouest. Ça, c'est du tir. En plein dans le ciboulot. Dans la cabane. Il tente une manœuvre. Oui, j'utilise beaucoup trop de coups de sport. Ah. Putain de boche. Mes jambes! Oh merde! Sors-moi d'ici, putain! Ouais, ouais, ouais. On va te sortir de là, reste avec moi! Allez. On doit rejoindre ce PRB! À ta gauche! Connard! On te fout. On doit se mettre à couvert! Mettre à couvert! J'essaie! On est tiré d'affaire! Viens! C'est ça que t'appelles être tiré d'affaire! Pas vraiment. Je perds beaucoup trop de sang. Accroche-toi. Baisse ta tête. Tu les as eus? Il en sort de partout. Merde. J'ai plus de balles, non. Attention! Oh. Il a son compte, on continue! Je vais crever. Comprends ça? On peut pas rester là! Ah, je suis là! Je vais crever, Suzanne, et à cause de toi! Putain! Je vais descendre par là! Bah voilà, tu vois, Suzman, je suis mort à cause de toi. Non, petit américain de merde. Ou anglais. Yo, après mes recherches, j'ai trouvé qu'ils étaient anglais. One. Merde. Non, sérieux, là? Je suis vraiment une merde? Autant que ça? En même temps, merde, à cause de sa mitrailleuse à l'autre là. Mais allez, tire. Voilà. Pas possible. Contente-toi d'appuyer sur la plaie. Ah, on y est presque. Bah non, pas vraiment. Venez, par ici, allez, allez.
trousse de secours. Ok, accroche-toi. Infirmier. J'ai besoin de morphine. Voilà, la morphine, qui est une drogue, je vous le rappelle. Tu dois t'accrocher. Si tu en prends trop. Il y a toutes ces parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai. Mais bien sûr. Je peux rejeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, 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 tu dois pas t'endormir. Hé! Daniel! Je suis là. Ah. Aide-moi. Ouais. Bordel, qu'on fasse venir un infirmier! Infirmier. Là. Je m'occupe de lui. Vas-y! Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez, ouais. Y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage. En route. On viendra te chercher. Vérifiez vos munitions et vos grenades. C'est compris. Direction la route. On y va. En vrai, non, j'ai plus de munitions. Du coup. Chef, des munitions. Les voilà, soldats. Vous êtes aussi longs que des rivasses. Tenez-vous prêts à attaquer dès qu'on arrivera à la ferme. Ok. Allez, dépêchez-vous. Ils ciblent la plage d'obus. Oh, bon, c'est bon. Hein. Mitrailleux. Vous voyez que j'ai aucun talent au snipe. Non, sérieux? Bah ouais. Tenez-vous prêts à attaquer dès qu'on arrivera à la fête. Allez, dépêchez-vous! Ils ciblent la plage d'obus! Sérieux, mais quoi, couvert en fait? Déjà plus de vie, quoi. Pourquoi est-ce que je me suis engagé? Ah. Ouais, plus personne, la mitrailleuse. Là. Allez, go. Nice. Ah là là. Attends, je vais rejeter une grenade. Je vais me mettre là, je pense, là, maintenant. Attention! Ils arrivent! Ouvre le feu! Que quelqu'un prenne la mitrailleuse! Ah, mais putain, ils sont arrivés à plusieurs, c'est... Et par où ils sont arrivés, déjà? Ah, je pense savoir. Ils arrivent! Ouvre le feu!
Non, non, là, j'ai pas besoin de munitions. Hé là, Daniels. Allez les gars, rendez-vous au point de ralliement. Pearson, il faut un bilan des pertes. On a perdu beaucoup de soldats. On a vu la plage. On l'a payé. Daniels, ça va ? Bordel, je pensais avoir tout vu. Il va s'en tirer. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Hé, tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie ? À la mort. À la mort ? Tête de pont établie ! On bivouaquera à la deuxième haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin ? Donc il est américain, ok. Bah ça n'empêche que je veux ton arme, ta Thompson. Aucun de nous n'était préparé. Donne-la-moi. Mais t'as vraiment assuré. Non, effectivement. Mais merci. Tout ira bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. C'est une façon... Je sais pas quel abruti a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre l'Europe. Mais il y a une chose qui est sûre. Il n'était pas sur la plage avec nous ce matin. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on termine le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un like, abonnez-vous si vous voulez. Ça me fera plaisir. Merci, c'était Inferno. À plus.